Roswell, Nouveau-Mexique. Mon très cher neveu, c'est le premier Noël que je passe loin de toi. Mais tu en connais la raison. Mon enquête sur la soucoupe volante, sujet qui te passionne également. Je te souhaite une bonne lecture et le meilleur des Noëls. À la fin du livre, tu auras une grande surprise. L'année qui vient sera fantastique. Oncle Alain. Depuis la nuit des temps, de mystérieux objets sillonnent les cieux de la Terre. Le fait n'est pas contestable. Qu'on les appelle ovnis ou flying saucers, leurs origines, leur matière, voire leur consistance, sont à ce jour une énigme, mais aussi un formidable outil de réflexion, de rêverie et de recherche, faisant indéniablement progresser la pensée humaine, la littérature et la science. À travers cette quête, aux confins du fantastique et du merveilleux, nous vous convions un étrange voyage grâce à des personnalités souvent très différentes dans l'approche du phénomène. En voulant répondre aux questions posées par les ovnis, astrophysiciens, écrivains, ufologues et scientifiques soulèvent peu à peu le voile. On ne peut plus dire aujourd'hui que ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Cette science inconnue n'est pas de la magie, c'est sans doute un pan entier de notre avenir. 24 juin 1947, une date dans l'histoire des soucoupes volantes. Ce jour-là, Kenneth Arnold, PDG américain à Boise, Idaho, est aux commandes de son avion personnel. Il fait route vers Yakima, dans l'état de Washington, avec pour mission de rechercher l'épave d'un C-46 de transport de la marine qui s'est écrasé dans les monts Cascades. L'après-midi est ensoleillé et la visibilité très bonne. Soudain, vers 15 heures, un éclair blanc-bleu illumine tout le côté droit de sa cabine. À environ 40 km de lui, et se profilant sur les contreforts du mont Rainier, une formation de 9 objets scintillant d'un éclat métallique se déplace à grande vitesse. Ils volent à la même altitude que lui, 2850 mètres, en deux lignes parallèles. Au voisinage du mont Rainier, ces objets grimpent presque à angle droit à l'altitude de 4200 mètres, puis disparaissent derrière le mont Adams. L'observation a duré 1 minute 30. Leur vitesse est estimée à 2400 km/h, deux fois la vitesse du son. Vitesse fabuleuse à l'époque, puisque le mur du son n'est pas encore franchi. Kenneth Arnold déclarera un peu plus tard que ces objets se déplaçaient à la manière de soucoupes, ricochant sur l'eau. L'expression fera fortune. Le blackout imposé par les gouvernements et l'étouffement médiatique féroce de l'affaire Roswell laissent à penser que les ovnis ne font pas seulement partie d'une mythologie littéraire exotique, mais qu'ils sont peut-être à la fois notre mémoire et notre destin. L'affaire de Roswell, c'est l'un des plus célèbres dossiers de toute l'histoire de l'ufologie dans le monde. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'accident supposé d'un ovni qui se serait écrasé aux environs de Roswell, au Nouveau-Mexique, près de où se trouve la base des bombardiers atomiques à l'époque, en juillet 1947, au beau milieu de la première vague des soucoupes volantes à l'époque. Alors, je vous résume les faits. Le 8 juillet 1947 est publié un communiqué de presse sensationnel de la base des bombardiers atomiques qui annonce qu'ils ont trouvé aux environs de Roswell donc un disque volant accidenté, qu'ils l'ont récupéré et qu'ils l'ont envoyé, tous les débris, pour examen dans les locaux techniques de l'armée de l'air. Mais le soir même, il y a un démenti du quartier général de Roswell à Fort Worth au Texas, qui dit qu'ils se sont trompés, qu'en réalité ce qu'ils ont trouvé c'était un vulgaire ballon météo avec sa cible radar. Et l'affaire a été enterrée pour 30 ans. Mais en 1977, presque par hasard, un ufologue américain, Stanton Friedman, a rencontré l'un des protagonistes de cette histoire, qui était le major Jesse Marcel, alors à la retraite en Louisiane, et cet homme lui a raconté une toute autre histoire. Il lui a dit que c'était pas vrai ce qu'on avait dit à l'époque, et qu'il avait passé la journée à récupérer des débris extrêmement étranges qui ne ressemblaient à rien de connu. À partir de là, plusieurs équipes se sont mises au travail progressivement et on a retrouvé plein de témoins et l'affaire a pris une dimension considérable. En étant très restrictif
On peut dire qu'il y a eu au moins 87 témoins, dont 39 sur la récupération de débris étranges, 34 sur la récupération d'un appareil, sur un deuxième site d'ailleurs, en forme de soucoupe, et 31 témoins sur la récupération, la découverte de cadavres non humains. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait presque une centaine de témoins au total, enfin disons 87, et ça représente un dossier très solide en fait. Voilà ce qu'il faut dire. Et puis, il faut dire que pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que si c'est vrai qu'on a trouvé un ovni, bon, il n'y a pas encore de preuves irréfutables, si vous voulez, hein, mais ça prend des dimensions, ça devient de plus en plus solide. Et si on arrive à prouver cela de manière vraiment certaine, c'est une découverte capitale, c'est un tournant presque pour l'histoire de l'humanité, hein, la découverte d'un engin extraterrestre. Donc voilà pourquoi c'est une affaire si importante. J'ajoute juste un mot pour dire que pour beaucoup de gens, en France notamment, on croit que l'affaire de Roswell, c'est une histoire d'autopsie d'un bidon, d'un cadavre qu'on a montré en 1995. Juste un mot là-dessus pour dire que ce cadavre qu'on a montré, qui est très bizarre et suspect, avec son gros ventre et six doigts aux mains et aux pieds, il n'a rien à voir avec les descriptions des cadavres de Roswell. En effet, 8 jours après sa création en 1948, l'US Air Force prend en charge le dossier UFO. Plusieurs commissions d'enquête sont créées successivement, en particulier la commission Blue Book en 1952. Mais la CIA intervint pour imposer le blackout après les événements de Washington de 1952. Cette année-là, les 19 et 26 juillet, des échos d'objets inconnus évoluant au-dessus de la ville furent captés par 3 radars. Plusieurs pilotes commerciaux les aperçurent et un pilote d'avion en réaction fut même envoyé vers l'une des cibles qui se déplaçait au-dessus du Capitole. Pendant quelques minutes, ce fut la panique à l'aéroport. Les services officiels conclurent à une anomalie de la propagation des signaux radars et à des phénomènes de réfraction du genre mirage. Cependant, avant sa mort mystérieuse, le docteur McDonald, doyen de physique à l'Université d'Arizona, souligna l'absurdité de l'explication officielle. Le sujet devint tabou. Mais sur les insistances du docteur McDonald et du docteur Allen Hynek, directeur du Centre de recherche atomique d'Evanston, l'Air Force décide de la création de la super-commission Condon. Le rapport conclut à la non-existence du phénomène, mais reconnut pourtant son impuissance à expliquer 10% des cas analysés. En France, 2 incidents majeurs ont marqué la deuxième partie du XXe siècle. 2 affaires qui, en échappant à l'étroitesse de nos frontières, ont écrasé médiatiquement leurs témoins. La pression sociale fut tellement forte qu'elle bouleversa leur vie à jamais. Il s'agit de Trans-en-Provence et de Valensole. L'affaire de Marignane, quant à elle, prit une ampleur bien moins retentissante, mais tout aussi troublante. Quant à celle du plateau d'Albion, malgré la ténacité de Jimmy Gueux, l'armée a toujours démenti le survol de la base atomique par les ovnis. Voici ce qu'écrivait Jimmy Gueux à propos du plateau d'Albion en 1985. Les témoignages en notre possession se recoupent, et ceux qui émanent de sources militaires sont les plus détaillés. Chaque fois qu'un silo était ouvert, 48 heures plus tard, un énorme vaisseau venait se stabiliser en altitude. Il larguait des modules de reconnaissance, sphères ou soucoupes, qui eux descendaient pour faire un point fixe à 5 ou 10 mètres au-dessus du silo ouvert. Tout cela prouve à l'évidence que cette base de missiles stratégiques était sous la surveillance constante des extraterrestres. Affaire de Trans-en-Provence, 8 janvier 1981. Un ovni atterrit dans le jardin de Renato Nicolai. C'était un jeudi, là. Un jeudi, le mois de janvier, le 8, là, c'était là. Vers 5 heures, hein. Quand je l'ai vu, moi, qu'il était en train de bricoler, là.
Oh, je dis quand même, des fois, hein, ça fait pas quoi. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. Enfin, je l'ai vu arriver, mais enfin, je ne l'ai pas noté, enfin, ça que c'était exactement. Alors, comment était cet engin? Ben, l'engin, c'était un engin, comme deux assiettes, c'est-à-dire. Comme une soucoupe. L'une sur l'autre, un engin comme ça, là, c'était. 2,50 m là, sur 3 mètres, il fait environ le chose là, le diamètre. De quelle couleur était-il? Plomb, mat là. Il n'y avait pas d'insigne, de marque? Non, il n'avait rien du tout là. Une soucoupe, hein, si on avait appelé. Hein. Le 1er juillet 1965, à l'aube, Maurice Mas est déjà à l'œuvre dans son champ de lavande. Alors qu'il roule une cigarette, il entend une sorte de sifflement très aigu. Face à lui, un engin en forme de ballon de rubis est posé sur un axe central enfoui dans le sol. Aujourd'hui, Maurice Mas n'est plus de ce monde. C'est son ami de toujours, Maurice Chassepoul, qui nous conte cet événement hallucinant. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un genre comme une dauphine, là, une grande dauphine, une grande voiture, avec trois pieds et un pied central. Un petit bonhomme qui était penché sur les lavandes, qui était en train de regarder, et un autre devant, qui était devant ce qu'on appellera une soucoupe volante. Il s'approche, et dès qu'il s'approche, bien sûr, celui qui était penché le voit, appelle son copain, et à ce moment-là, ils sortent de leur poche, genre de tuyau long comme ça, et il le braque sur Maurice. Et à ce moment-là, il est carrément pétrifié. Il est tétanisé, pétrifié, il ne peut plus bouger. Il voit tout, il entend tout. Voilà, voilà un peu le comment ça s'est passé, comment l'histoire s'est passée. Bon, après, il dit que les bonshommes sont remontés dans la... genre comme un volet, ça se soulevait comme un volet. La soucoupe s'est soulevée environ d'un mètre. Les réacteurs, enfin, dessous, ça a commencé à bouger, mais avec un bruit pas très fort. Et en l'espace de quelques secondes, ça est parti du côté de Manosque, et ça a disparu. Mais à une vitesse exceptionnelle. Et l'endroit où la soucoupe a passé, toutes les lavandes étaient brûlées. Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valensole? Moi je crois, parce que d'après les empreintes qui se sont produites sur le terrain de M. Mas, effectivement, un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles? Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, par aucun appareil connu, je crois pas. Et est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps? Non, moi, là j'ai eu l'impression que vraiment il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Depuis la plus haute antiquité, d'Hérodote à Tite Live, de Platon à Cicéron, depuis Fontenelle et le siècle des Lumières, les écrits ont laissé les traces de l'ampleur du phénomène. Il en est de même pour les textes sacrés. Eh bien, on pourrait commencer par la Bible, ça paraît en quelque sorte normal. Alors que nous dit Ézéchiel? Il nous dit qu'il voit d'abord venir du nord un grand vent, une nuée, une tempête, ensuite un nuage qui semble contenir des éclairs, des formes lumineuses, et il parle même au fond de quelque chose qui ressemble à du métal chauffé, en plein feu, dit-il. Là, on aurait presque l'image moderne de l'apparition d'un ovni. Chez les anciens grecs et romains, il est question de boucliers volants. Et là aussi, ça devient beaucoup plus intéressant, et je dirais, nous cernons notre sujet. Pourquoi? Parce que la description qu'ils font de ces boucliers rappelle tout à fait les ovnis. En voici la raison. À notre époque, un objet courant, c'est une assiette, une soucoupe, voire une saucière. Pour les anciens, le bouclier était un objet tout à fait courant. C'était l'arme de défense numéro un. Comment étaient les boucliers grecs de l'époque de Périclès ou d'Alexandre, ou les boucliers même de la première Rome et de la cavalerie romaine? Ils étaient ronds, ils étaient circulaires, ils étaient bombés. Et quand on nous parle d'un ovni qui ressemble à deux assiettes l'une sur l'autre, il suffit simplement de poser ce que l'on appelait un oplone, qui a donné son nom d'ailleurs aux combattants grecs, l'oplite,
c'est-à-dire ce fameux bouclier, de prendre deux hoplones l'un sur l'autre, et à ce moment-là, on voit apparaître une soucoupe telle qu'elle est décrite par les modernes. Les vimanas, c'est quoi dans la littérature védique? C'est en fait, ce sont des... Alors, il y avait deux sortes de vimanas. Il y avait un, ce qu'on pourrait appeler des avions aujourd'hui, qui étaient conduits par des êtres humains, qui ressemblaient un peu à des avions. Et puis les vimanas complètement mythiques, qui eux n'étaient pas faits par conduits par les êtres humains, pilotés par les êtres humains, mais qui ressemblaient, on ne sait pas à quoi, ça ne ressemblait pas à un avion, on ne sait pas comment ça fonctionnait, comment ça volait. Ces deux réflexions, c'est de dire que les Indo-Européens ont vraisemblablement façonné notre civilisation aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, mais en plus, on parle de l'Atlantide, on parle des Mayas, on parle de tout ça, et je crois que là aussi, on a je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose, c'est un mythicisme ou si c'est autre chose, mais moi je me pose des questions, je vous dirais franchement. Le plus bel ovni de l'histoire du cinéma, c'est celui qui est placé devant la caméra de Stanley Kubrick et qui vient civiliser la Terre, lui apporter l'esprit dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et là, on songe en effet soit aux Elohim, pour reprendre l'image biblique, soit à ces dieux civilisateurs de la cordillère des Andes. Et Kubrick, en nous présentant cette figure, ce personnage, et on voit bien, au fond, on pourrait reprendre les paroles d'Ézéchiel, que c'est une sorte de vivant, puisqu'il est l'esprit et qu'il est bourdonnant comme une ruche gigantesque, eh bien, il nous donne l'image, une image purement géométrique. On songe à une porte, on songe à une borne, on songe finalement à un module mathématique qui, au fond, serait peut-être à l'origine, avec le fameux nombre d'or, à l'origine de la construction des temples sacrés, de ces temples qui, eux aussi, sont des modèles du ciel sur Terre. Tous les ufologues ne croient pas aux ovnis, loin s'en faut. Leur aspect socioculturel, tel que le décrit Carl Jung dans son ouvrage « Un mythe moderne », a inspiré de nombreux adeptes de cette théorie. En Suisse, Bruno Mancusi défend la thèse de Bertrand Méheux, proche de celle de Jung. Alors effectivement, Bertrand Méheux a abordé le phénomène de façon très intéressante. Donc il a publié d'abord un livre qui s'appelle « Science-fiction et soucoupes volantes », dans lequel il établissait un parallèle entre les récits de science-fiction, par exemple des années 30 aux États-Unis, avec les récits des témoins. Et il a retrouvé un parallèle assez stupéfiant entre ces romans de science-fiction et les récits des témoins. Ensuite, il a écrit son livre « Soucoupes volantes et folklore », dans lequel il fait un parallèle entre les affaires de sorcellerie, par exemple, et les ovnis. Alors, il trouve que, par exemple, les rondes sorcières se retrouvent dans les traces d'ovnis, la marque du diable sur la sorcière se retrouve aussi sur les témoins d'ovnis, avec notamment les implants. L'odeur de soufre du diable se retrouve aussi chez les ovnis, avec soit l'odeur de soufre, soit l'odeur d'ozone. Bref, il y a un parallélisme très intéressant. Mais cette théorie ne nous apprend pas grand-chose sur la réalité ou non du phénomène. C'est-à-dire qu'on peut interpréter de deux façons complètement différentes. On peut se dire, voilà, vous voyez bien que les ovnis n'existent pas, puisque de tout temps, on a interprété ces phénomènes suivant la croyance de l'époque. Et donc, les ovnis ou les sorcières, je ne sais pas quoi, sont dans notre inconscient et les témoins imaginent des choses. Ou alors, on peut l'interpréter de façon plus croyante, c'est-à-dire, voyez bien que les ovnis existent, simplement on les a interprétés de manière différente. Au Moyen-Âge, on voyait des sorcières, tandis que maintenant, on voit des ovnis. Alors, ce rapport Cometa, effectivement, a fait beaucoup de bruit,
Mais il a fait du bruit parce que, à cause de la personnalité des auteurs. Par contre, le contenu était assez, disons, croyant pour la réalité du phénomène. Et même, il y avait un passage assez incroyable sur Roswell. Je ne pense pas que ça a fait beaucoup pour la crédibilité du phénomène. Au contraire, on peut dire que ça a décrédibilisé leurs auteurs. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une affaire, aussi bien documentée soit-elle, qui pourrait permettre de faire pencher la balance en tant que telle. Je pense qu'on a, c'est plutôt un ensemble de cas sélectionnés qui ensemble, pourraient permettre de penser qu'il y a une réalité peut-être différente, qu'il y a une réalité physique peut-être différente. On n'en a pas pour l'instant la preuve, on a dans le meilleur des cas des présomptions de peut-être l'existence de quelque chose, par exemple des phénomènes tels que la foudre en boule pourraient très bien être considérés comme des ovnis, des phénomènes rares atmosphériques, des choses comme ça pourraient très bien être pris pour des ovnis à juste titre par des témoins et par des enquêteurs, et pourrait très bien également éclairer la science sur un domaine peu connu. C'est une possibilité, il y en a d'autres. Aimé Michel était avant tout, pour comprendre son parcours, c'était avant tout un penseur, un philosophe, et je crois qu'il faut... il est devenu, on pourrait dire, un petit peu par accident ufologue, et on le considère comme étant un des pionniers de l'ufologie, mais c'est un petit peu un accident de parcours. En fait, au début des années 50, donc il est intéressé par de multiples sujets, dont les soucoupes volantes, qui est un nouveau thème. Il publie un ouvrage qui s'appelle « L'heure sous les soucoupes volantes » en 1954. On est en France en pleine vague de soucoupes volantes. C'est la plus grande vague qu'ait connue la France à cette période. On publie jusqu'à 60 notifications, observations par jour. Il y a des affaires d'atterrissage, des humanoïdes qui sont observés, etc. Donc il publie ce livre qui est un des deux premiers ouvrages publiés par des auteurs français. Et donc à ce titre, effectivement, on l'a considéré, à son corps défendre un petit peu, comme étant l'un des pionniers de l'ufologie en France. Mais en fait, il situait les soucoupes volantes dans un cadre beaucoup plus large. Pour lui, c'était une façon de questionner le réel. Voici trois témoignages sincères. Les témoins ne sont pas des affabulateurs en mal de sensationnel. Ils relatent simplement les faits qui les ont bouleversés. Si parfois on peut penser que des phénomènes naturels hors du commun sont à l'origine d'une observation, que dire lorsqu'il reste des traces physiques sur les personnes? C'est le cas de Philippe Michon, de Sylvia Gros-Desormeaux et de Jean-Charles Hilde. J'avais à peine pris mon virage, là. J'étais à une vitesse de 40-50 km/h, que j'ai vu arriver par l'autre route une sphère de lumière rouge venir à grande vitesse. Et tout d'un coup, j'ai senti mon corps monter en température. Et croyant une combustion spontanée, donc j'ai regardé mes bras. Et de là, j'ai vu que j'étais éclairée du haut, du ciel. J'ai vu quelque chose, j'étais au milieu de la cour. Et j'allais pour sortir, donc je me dirigeais vers le portail et rejoindre mes petits collègues pour aller jouer. Et puis j'ai vu quelque chose venir. Avec le temps, c'est assez vague, mais un losange, et dans ce losange, il y avait un autre losange, enfin, jusqu'à ce qu'il, en venant vers moi, donc il devienne de plus en plus grand. La campagne, tout s'est illuminé dans une couleur rouge-orangée, et là, j'ai eu une impression de chaleur qui se faisait derrière moi, je me suis retourné. Et là, cette sphère de lumière était sur la banquette arrière du véhicule, comme si elle sautillait. Comme si on me prenait la tête, ça m'a remis la tête face à la route que je prenais. Et à un moment donné, j'ai senti mon véhicule se soulever. Par rapport au piquet que vous avez là, c'était à environ une hauteur d'un mètre. Et d'un coup, cette étoile, que je croyais être une étoile, s'est déplacée d'abord vers la droite. Et après, elle a eu un mouvement vers la gauche. Et d'un seul coup, elle est partie à une vitesse fulgurante vers le firmament.
tout était au ralenti. Mes mouvements, ma bouche, bon. Et en me retournant, le phénomène en question, c'était plus un losange, c'était carrément, ça avait pris la forme d'un cigare. Et pareil, ça se, comment je pourrais dire, un cigare mais en position verticale. Et il s'éloignait par palier, donc il devenait de plus en plus petit. Mais comment je pourrais dire ça, il se dédoublait, mais en s'éloignant de plus en plus. Je lui ai dit, mais écoute, je suis fatigué, je vais aller me coucher, je suis pas bien. Il me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu as sur ton cou? Et là, elle me dit, mais arrête de te regarder dans un miroir. Et là, au moment où je me suis trouvé devant le miroir, je me suis retrouvé, bien sûr, avec tous des petits rectangles qui partaient depuis la hauteur des oreilles, tout autour, à intervalles réguliers, des rectangles rouges, comme un pincement, mais bien marqué. Et voilà, puis bon, moi, après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille m'allonger, je suis pas bien. Puis le lendemain matin, bien sûr, tout avait disparu. Et moi-même, j'ai pas eu idée de faire une photo ce soir-là. Aimé Michel est le fondateur de l'ufologie française. Mystérieux objet céleste, publié en 1958, sert toujours de référence. Mais c'est à Jimmy Gueux que l'on doit, dès 1954, le premier livre ufologique avec les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, publié au Fleuve Noir, et dont les illustrations de Branton restent inégalées. Je me souviens, en 67, il m'avait amené à Cergy-Pontoise, est-ce que je me trompe? C'était Cergy-Pontoise, où il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Mais Jimmy, il n'était pas là quand ça s'est passé, mais il le racontait comme s'il était là. Il avait vu, il avait entendu, il avait senti ces personnes qui venaient d'ailleurs. Et il avait toutes les explications nécessaires. Il affirmait tout cela avec une telle assurance que ça ne pouvait être que vrai. Et d'ailleurs, ça ne peut être que vrai. Puisque moi, j'ai une confiance totale en Jimmy. Jimmy, c'était pas un rigolo. Loin s'en faut, c'était quelqu'un qui, c'était ni un rigolo ni un scientifique, hein. Mais c'était quelqu'un de réfléchi, de posé, de méticuleux, de minutieux, qui menait des enquêtes, et les enquêtes aboutissaient toujours vers un résultat. On allait avec lui au bout du monde, au-delà du monde, mais on revenait toujours à la maison. Quand j'écoutais Jimmy avancer ses arguments, j'étais obligé de dire « oui, je crois », parce que ces arguments étaient irréfutables. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toutes les informations qui sont recueillies de ci, de là, par des gens sérieux, des pilotes d'avion, des gens sérieux, hein, pas des farfelus, pourquoi toutes ces informations qui sont traitées, le savons-nous, ne sont pas communiquées au grand public? C'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui me ferait croire qu'il faudrait y croire. Parce que si on le cache et si on ne dit rien, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Mais bon, j'attends pour voir, et en tout cas, s'il nous regarde, qu'il soit les bienvenus. Il y a toujours à boire, à manger, à la maison. Jimmy, c'est d'abord quelqu'un qui nous a étonnés par ce qu'il était, parce que c'était quelqu'un qui ne ressemblait pas à nous autres. J'ai d'ailleurs toujours cru que Jimmy était un extraterrestre. D'ailleurs, quand on est jeune, on ne voit pas vieillir tant que cela les autres. Et Jimmy, d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu vieillir. Je me suis dit, tiens, Jimmy, c'est un extraterrestre. Parce qu'il avait des façons autres que nous d'envisager la vie, de voir des choses, de savoir des choses. Il avait des informations sur un paquet de trucs qui nous intéressaient énormément. Quand Jimmy a parlé des petits hommes gris, qui étaient des gens plutôt négatifs, et qui risquaient d'être peut-être une gêne pour la race terrestre, c'est quelque chose qui m'a déplu un peu. J'ai toujours eu dans l'idée que les grands frères qui venaient de loin, de l'espace, de cet univers qui entretient mon rêve permanent, c'était des êtres d'une immense bonté, plein de lumière, d'une sagesse hors du commun, et capables de tout m'apprendre, de m'apprendre l'amour que je n'ai pas suffisamment donné aux autres, capables de m'apprendre toutes ces techniques qui me font rêver et que j'aime par-dessus tout, j'adore les techniques. Toute l'imagination qui est la mienne et que je n'aurai jamais suffisamment, je rêve d'avoir
une imagination plus grande que celle-là. Parce que si on essaye de rentrer dans le problème extraterrestre, on peut se dire que l'humain a une imagination trop pauvre pour essayer d'imaginer toute la grandeur, l'immensité et le côté génial de ce que sont les extraterrestres. Et donc je suis désespéré que mon imagination n'aille pas plus loin. Donc je me dis que un jour peut-être, et d'ailleurs heureusement on a vu de très bons films qui sont allés dans ce sens-là, hein, Rencontre du troisième type, etc. Tout ce bonheur d'aller à la rencontre de l'autre, de celui qui est plus fort, plus grand, plus merveilleux, et puis tout d'un coup de soi-même, de s'améliorer. Qu'ils vous donnent les deux ou trois marches qui vont vous permettre d'aller vers eux. En France, l'étude du phénomène OVNI fut par le passé l'œuvre d'Aimé Michel, de Jimmy Gueux, de Jacques Vallée et de Jacques Bergier. Aujourd'hui, Jean Sider, Stéphane Alix, Thibaut Canouti, Guy Tarade continuent de proposer des hypothèses. Ah, cette affaire de Marignane, je savais, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est un atterrissage qui a eu lieu sur la piste du premier aéroport, par celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il y avait un douanier qui était en train de patrouiller entre deux hangars lorsqu'il a été survolé par un engin qui était à très faible altitude. Si mon mémoire est toujours intacte, il s'appelait Guy Quinchard, je crois. Il a sorti son revolver. Mais ce n'a pas été le seul témoin. J'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer à Nice un personnage qui avait été présent mais qui a toujours voulu garder l'anonymat. Cet atterrissage a eu des conséquences assez intéressantes car en effet, sur le point précis où l'objet s'est posé, on a retrouvé des pièces métalliques qui ont été très rapidement récupérées par les services secrets français. Et l'affaire de Trans-en-Provence ? Alors Trans-en-Provence, voilà encore une affaire qui est une affaire assez curieuse. On a fait courir tous les bruits de sur M. Renato, qui était le propriétaire de ce lieu où l'objet est venu et a buté sur une restanque. Alors là encore, je crois qu'il faut approfondir toujours les... Vous savez que lorsqu'on fait une enquête, il faut remonter aux origines. Et il faut prendre, je dirais, remonter au passé. Et il y a un membre des services de renseignement qui n'est plus dans le métier à l'heure actuelle, qui lui est reparti à zéro, a repris l'enquête à zéro. Et il s'est aperçu que cet engin, ou cet objet, appelons-le comme on veut, semblait avoir été programmé pour suivre une route bien précise. Il a repris les cartes de l'époque du siècle dernier, pourrait-on dire, le siècle d'avant, du XVIIIe siècle, et il s'est aperçu que l'objet avait suivi une route qui aujourd'hui n'existe plus, qui était totalement effacée. Alors lui, il en a tiré les conclusions que peut-être que cet engin avait été programmé pour suivre un parcours bien déterminé, et que, ma foi, il avait été trompé par la modification du terrain entre la première fois où il était venu, où il s'était manifesté, et lorsqu'il est venu et qu'il s'est craché sur le terrain de M. Renato. L'affaire Mantel, on la connaît très bien, c'est l'histoire de ce pilote qui a... été envoyé avec son Mustang P-51 au-dessus de Fort Knox, qui est la réserve d'or des États-Unis. Et le capitaine Mantell était en patrouille avec deux autres chasseurs. Et lui seul est monté à la rencontre de cet engin qu'il a décrit comme un énorme disque argenté. Et au moment où il a été pour l'intercepter, toutes les communications radio ont été coupées et on a retrouvé les traces de son appareil sur, je dirais, des dizaines de kilomètres carrés de surface. Le corps du pilote n'a jamais été retrouvé. Après plus de 50 ans de recherche, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Le phénomène existe, c'est un phénomène intelligent, il n'est pas d'origine humaine, et il y a eu des contacts entre l'intelligence qui manipule le phénomène et des terriens. Maintenant, il ne faut pas voir les ovnis sous la forme de tôles boulons. Ben pour moi, c'est quelque chose que j'ai effacé depuis longtemps. Je pense que nous sommes peut-être en face des vecteurs qui remontent le temps, qui viennent d'une dimension parallèle, que la physique quantique nous révélera un jour ou l'autre. Les ovnis ne sont peut-être que des hologrammes pouvant prendre les formes les plus étranges, se multipliant à l'infini dans l'espace et le temps,
projeté par une force incroyablement puissante et invincible, la vie. Et si la solution du mystère passait par l'humour de Jacques Bergier? Les ovnis, disait-il, ne sont rien d'autre que des hallucinations collectives provoquées par des extraterrestres. En fait, cette boutade est encore plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il est fort possible, en effet, que nos visiteurs nous leurrent en testant tout simplement notre ignorance grâce à des images virtuelles. Jacques Bergier pensait à un univers multiple, un multivers, où réalité et imagination sont interdépendantes. Au fond, il y aurait deux mondes. Un premier cercle univers, composé par l'incessant dilatement cosmique, la ronde éternelle des galaxies et de la vie, puis un autre cercle qui engloberait le premier, celui des mythes, du merveilleux et du rêve, ouvert de temps à autre à notre réflexion et dont les ovnis seraient les messagers. La littérature et notamment le mouvement surréaliste intégrèrent les ovnis à leur imaginaire. Salvador Dali et Jean Cocteau s'enthousiasmèrent lors des grandes vagues soucoupistes des années 50 et 60. Howard Phillips Lovecraft, ce grand génie venu d'ailleurs selon Bergier, imagina dans ses nouvelles la présence sur Terre de dieux effroyables et archaïques. On avait envie à la maison d'ailleurs, en fait, de rendre un hommage un peu particulier à Howard Phillips Lovecraft pour les 70 ans de sa mort. En fait, enfin, célébrer sa mort, c'est peut-être plus important encore de célébrer sa naissance à Lovecraft. Et plutôt que faire l'exposition uniquement sur Lovecraft lui-même, sur sa vie, sur ses écrits, ce qui était un peu difficile aussi, l'idée c'était plutôt de faire l'exposition lovecraftienne, à savoir qui rend hommage, comme il l'aurait voulu peut-être, à savoir qui utilise les idées qu'il avait pu avoir et qu'il distribuait généreusement en fait à ses amis et à ses connaissances et les distribuer nous plus loin à des illustrateurs et des écrivains. Donc on a pris ce document qui s'appelle le Livre de Raison, qui est un livre de notes, il y a 220 notes à peu près qu'il a écrites entre 1919 et 1934 et qui décrivent des idées en fait devant être développées par la suite dans de la fiction courte ou longue. Donc on a donné ces courtes notes et les gens ont pu faire ce qu'ils ont voulu avec ça. Donc il y a une centaine d'illustrateurs, près de 500 images, il y a de la musique, des textes, des films, et tout ça dans une atmosphère un peu lovecraftienne, étrange comme ça, parfois un peu ironique, parfois un peu décalé, mais parfois assez sombre aussi. Alors le mythe, la cosmogonie, on va dire, lovecraftienne, est très importante évidemment pour la maison d'ailleurs, puisque contrairement à ce qu'on imagine parfois, Lovecraft, c'est pas un écrivain de fantastique, véritablement, c'est vraiment un écrivain de science-fiction qui est passionné par les théories de l'évolution, par la théorie de la relativité d'Einstein, qui est un fan d'astronomie, c'est un amateur, astronome amateur, si on veut, qui a passé des longues heures à observer le ciel, et qui imagine que le monde autour de nous n'est pas du tout connu, c'est un monde très étrange, et quand on va commencer à le connaître, eh bien, on va être horrifié. Et c'est ça, c'est véritablement l'idée que la science va nous révéler des choses non pas forcément positives, c'est un anti-Jules Verne, en tout cas dans l'image qu'on s'en fait, c'est pas le chantre du progrès, c'est plutôt la crainte du progrès, Lovecraft, c'est plutôt traditionnaliste quelque part, dans ses vues politiques également, et nous on avait envie de montrer quelque chose qui était plutôt lié justement à la science-fiction pure et dure, en disant voilà ce qu'on peut montrer autour de nous, ce qu'on peut avoir autour de nous, juste au coin de l'œil, sans qu'on puisse vraiment s'en apercevoir. C'est ça l'esprit lovecraftien, c'est-à-dire qu'il y a les dimensions juste hors de notre portée, mais si on connaissait en fait les moyens d'y accéder, eh bien on verrait des choses tout à fait affreuses, qui sont plutôt de l'ordre de l'extraterrestre ou de la créature d'autres dimensions que de dieux anciens. À la maison d'ailleurs, évidemment, un rayon ufologique, on est lié un peu par la bande à l'ufologie d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que moi, je vois la science-fiction comme un outil d'exploration du réel, c'est un genre rationnel, hein, et que dans l'ufologie, on est plutôt dans
on va dire dans l'irrationnel, mais plus dans la croyance, hein, que ce soit sans aspect péjoratif du tout, on peut dans cette situation, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et bien, moi j'y crois dans les livres. Je pense que les soucoupes volantes existent dans les films et dans les livres, et c'est là où moi elles m'intéressent, pourquoi est-ce qu'elles apparaissent dans les films ou dans la documentation que nous on peut avoir. Quoi. Maintenant, qu'elles apparaissent ou non dans la réalité, c'est peut-être un autre domaine qui nous concerne moins, mais qui nous intéresse aussi, puisqu'évidemment il y a des connexions tout à fait fréquentes entre ces deux éléments. Il faut savoir déjà que les films d'extraterrestres sont essentiellement hollywoodiens. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, il y a bien des films russes, hein, comme Aelita, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un cinéma qui est essentiellement hollywoodien. Et ce qu'on s'aperçoit, alors c'est aussi la thèse d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Valentin, qui a travaillé sur Hollywood, le pouvoir et le Pentagone, hein, et qui montre bien qu'en fait, ces films-là sont instrumentalisés. Ce sont un petit peu ce qu'on appelle, ce que Valentin en tout cas appelle, des films de sécurité nationale. Alors, il parle peu des films d'extraterrestres, des films d'OVNI dans son étude, mais c'est un petit peu le même processus. En fait, derrière, on retrouve un petit peu le maccartisme, la peur de l'ennemi soviétique en l'occurrence, ennemi de l'intérieur, puisque très souvent, on le voit, c'est le cas dans Invaders from Mars, c'est le cas dans beaucoup d'autres, ça va être vraiment le schéma de beaucoup d'autres films jusqu'au très récent avec Nicole Kidman, Invasion, qui reprend le même thème. C'est l'ennemi ressemble à l'humain, il est caché parmi nous, donc c'est d'autant plus inquiétant et c'est d'autant plus difficile de le voir. Hein, c'est un ennemi qui est finalement très proche de l'humain. Oui, elle s'est adoucie avec notamment des films comme Rencontre du troisième type. En fait, ça commence un petit peu avec les années 70 et là, on est plus dans le discrédit de la politique américaine, de la chose politique aux États-Unis. Hein, ça suit le Vietnam, le Watergate, différentes affaires comme ça, qui ont tendance à faire que l'extraterrestre devient plus, en tout cas, digne de confiance que les politiques eux-mêmes. Alors on retrouve ça dans Le jour où la Terre s'arrêta, déjà dès les années 50, hein, où l'extraterrestre qui vient nous voir pour des raisons plus ou moins pacifiques, écologiques. Hein, c'est les discours qu'on retrouvait dans la bouche des contactés. Et qu'on retrouve le cinéma, finalement, s'en fait l'écho. Avec les années 70, effectivement, même si on retrouvera dans les années 80-90 des grosses artilleries hollywoodiennes avec le thème de l'invasion, mais en tout cas, on a pour la première fois ce renversement de tendance où les extraterrestres sont soit à l'égal de Dieu, comme dans 2001 ou peut-être même dans Solaris, par exemple, des sauveurs, des frères cosmiques dotés d'une grande sagesse, ou en tout cas des gens qui vont nous aider, ou qui nous ont peut-être déjà aidés au fil de notre évolution. C'est autant de thématiques qu'on retrouve dans beaucoup de films. Ce qui ressort en tout cas du phénomène OVNI, ça je pense que la plupart des gens qui ont étudié cette question-là sont à peu près d'accord aujourd'hui pour en arriver à cette conclusion, il existe un résidu de cas, un reliquat, assez court finalement, hein, peut-être entre 1 et 5%, peut-être même moins que ça, qui renvoie à quelque chose de profondément exotique. Après ça, on rentre un petit peu dans des querelles byzantines, dans des débats d'experts. Alors, est-ce que c'est finalement des objets? Est-ce que ce sont des objets faits de nuts and bolts, comme disaient les Américains, c'est-à-dire tôles et boulons? Est-ce que ce sont des objets purement matériels, des objets faits d'ingénierie, hein, des engins? Est-ce que ce sont des animaux? Est-ce que ce sont des hologrammes? Est-ce que ce sont des sondes assez frustres? Est-ce que ce sont des corps éthérés, comme certains le disent? Là, honnêtement, on n'a pas vraiment de réponse. Et en tout cas, les réponses que pourrait nous apporter la technologie, donc par exemple les éco-radars ou les choses comme ça, sont assez frustres. On a des cas où les observations laissent des éco-radars. On a des cas où ils n'en laissent pas, alors qu'ils sont vus, observés par des témoins fiables. C'est très, très difficile de tirer des conclusions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que des gens comme Jean-Pierre Petit, par exemple, ont pu démontrer que des problèmes technologiques comme, par exemple, le bang supersonique, hein, pouvaient être réglés. Donc, la théorie de l'hypothèse extraterrestre dite au premier degré, c'est-à-dire des engins qui viendraient de l'extérieur, reste toujours valide. Et
Walter Rhodes, c'est un des témoins fondamentaux de l'époque. Donc c'est vrai que ce qu'il dit est particulièrement important. Lui, il va être très lié aussi à la divulgation de l'affaire dès ses origines, hein, au cover-up. Donc lui, ce dont il témoigne finalement, c'est d'une dissimulation. Hein. C'est ça qui est le plus important dans ce témoignage. C'est quand même quelqu'un qui a fait une belle carrière militaire. Il y a des chercheurs américains qui sont allés fouiller, qui sont allés retrouver notamment les proches de Walter Rhodes. Walter Rhodes lui-même, d'ailleurs, a confirmé ses dires jusqu'au bout. Donc, c'est quand même assez délicat lorsqu'on a d'assez haut gradé, parce que je crois que Walter Rhodes termine comme général, donc assez haut placé dans la hiérarchie militaire. C'est toujours particulier lorsque quelqu'un d'aussi haut placé avance ce type de propos. Alors, c'est une preuve de rien, comme toujours, dans le phénomène OVNI. On ne peut jamais rien prouver, quoi que ce soit. C'est bien ce qui est gênant, d'ailleurs. Et ce qui est fascinant, en même temps. Claude Bernard disait que lorsque l'on rencontre un fait qui ne s'accorde à aucune théorie, il faut abandonner la théorie et se rapprocher du fait. En cas d'observation, la gendarmerie va se déplacer et au vu des dires du témoin, nous allons essayer de mentionner l'heure, le lieu exact de la constatation des faits, la forme et les caractéristiques essentielles des objets aperçus, la couleur, la brillance, les conditions d'évolution du phénomène. Ensuite, si c'est toujours visible, à partir de ce moment-là, le gendarme va prendre des clichés photographiques à l'aide d'un appareil de diffraction optique dont les unités sont dotées. Il va le signaler dans son procès-verbal et cette pellicule va rester dans l'appareil photo. Il sera remis au CEPRA. Est-il vrai que dans le memento du gendarme, vous avez un document qui représente une soucoupe volante ? Oui, c'est un peu le côté humoristique du memento du gendarme, qui est une aide pour des gendarmes quand ils sortent d'école ou autre, et qui vont avoir avec eux pendant tout le long de leur carrière. Donc ça leur permet, devant des situations nouvelles, de pouvoir aller feuilleter ce document. Et puis c'est un petit dessin humoristique pour pouvoir dire, bon ben, éventuellement, si vous êtes confronté à ce type de phénomène où une personne se présente, il a cette petite rubrique pour pouvoir le orienter et le guider dans ses constatations et sa manière de faire. Le ciel était lisse comme la pierre d'un lavoir. La limpidité du ciel de Provence a inspiré cette phrase sublime à Jean Giono. Les nuits étoilées de Saint-Michel rendirent propice la création de l'Observatoire de Haute-Provence. On est loin de la cosmologie, c'est le paradoxe de Fermi. C'est une remarque qu'il y avait lorsqu'on regarde la vitesse à laquelle nous-mêmes nous nous déplaçons vers une planète avec une fusée, tout bêtement. Et on peut aller comme ça de planète en planète, voire de planète vers des étoiles. Et on s'aperçoit qu'il faut, je ne sais plus si c'est quelques centaines de milliers d'années, ou peut-être quelques millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Mais finalement, cela va très vite par rapport aux milliards d'années qu'il faut pour fabriquer une planète et pour fabriquer l'homme. Donc ce que disait Fermi, c'est que si une civilisation est sortie de son étoile haute, comme nous, et a commencé à s'étendre dans toute la galaxie, dans ce cas-là, il devrait être chez nous. Donc c'est sa grande phrase, sa grande interrogation, c'était « mais où sont-ils » C'est-à-dire que, par exemple, vous devez être un extraterrestre. Alors, l'équation de Drake, c'est une équation de probabilité. Drake s'était penché sur la probabilité pour qu'il y ait une autre civilisation comparable à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a un terme pour dans quelles conditions apparaît la vie. Il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice à la vie, donc ça donne déjà une probabilité relativement faible. Il faut qu'il y ait une planète qui soit dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, pardon, c'est-à-dire ni trop loin ni trop près. Il y a tout un tas de... Donc c'est une espèce de grande, pas somme, mais de multiplicateurs. Il y a tout un tas de facteurs qui sont tous proches de zéro. Et quand on arrive, bon, on n'en connaît pratiquement aucun d'ailleurs, on ne peut en mesurer aucun, mais quand on y arrive, on a une probabilité extrêmement faible d'avoir une autre civilisation ailleurs. Mais il avait essayé donc de quantifier en gros la probabilité pour que la vie se soit développée ailleurs. Alors, aller plus vite que la vitesse de la lumière, on ne sait pas faire avec, on va dire, un mobile. Par contre, avoir quelque chose qui, au fond, se retrouve là où on ne l'entendait pas,
Ça, c'est possible, pas tellement dans le cadre de la relativité, dans le cadre plutôt de la microphysique sur avec la mécanique quantique. De là à déplacer tout un mobile, pour l'instant, on sait éventuellement déplacer un électron, etc., ou le retrouver où on ne l'attendait pas, de manière probabiliste, mais on ne sait pas encore déplacer tout un véhicule spatial à des années-lumière d'ici. La cosmologie n'apporte pour l'instant aucune réponse définitive quant à la forme de l'univers. Cependant, les récentes découvertes d'exoplanètes laissent à penser que vraisemblablement, la vie existe ailleurs. L'idée, c'est que si une planète tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, eh bien, par chance, il peut arriver que cette planète passe devant l'étoile. Et à ce moment-là, en passant devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière de l'étoile et depuis la Terre, on va voir l'éclat de l'étoile qui va diminuer un petit peu pendant quelques heures le temps que la planète passe devant l'étoile. Et en l'an 2000, donc il y a 7 ans maintenant, on a découvert comme ça la première planète extrasolaire par la technique des transits. C'était autour de l'étoile HD 209-458. Et c'est la première fois qu'on détectait par cette technique une planète autour d'une autre étoile. Avec les expériences qui sont en orbite, les manips spatiales, les satellites en orbite, comme Corot ou dans quelques années Kepler, qui va être lancé par la NASA, ces observatoires spatiaux vont avoir une précision photométrique très grande, c'est-à-dire ils vont être capables de mesurer la variation de brillance de l'étoile devant laquelle passe la planète ou quelque chose d'autre, avec une très très grande précision. Et on peut montrer par le calcul, par des simulations numériques, on peut montrer que si l'objet n'est pas une planète, c'est-à-dire n'est pas un objet sphérique, mais par exemple une forme triangulaire ou rectangulaire qui tourne sur elle-même ou quelque chose comme ça, la courbe de transit, la diminution d'intensité lumineuse de l'étoile, est différente de celle d'un astre sphérique. Ça m'a donné l'idée justement de dire que s'il existe autour d'autres étoiles, sur des planètes, des civilisations technologiquement avancées, plus avancées que nous en l'occurrence, qui seraient capables de construire dans l'espace des structures de la taille d'une planète, hein, comme l'étoile de la mort dans Star Wars, eh bien on pourrait depuis la Terre, avec les observatoires spatiaux qui sont en orbite actuellement, qui vont être en orbite d'ici 2 ou 3 ans, on devrait être capable de les détecter. Donc on a des outils actuellement en orbite, qui vont nous permettre de dire si oui ou non ces civilisations extraterrestres intelligentes, technologiquement très avancées, existent ou sont très courantes dans la galaxie ou pas. Oui, alors l'exobiologie, c'est un domaine scientifique multidisciplinaire qui regroupe aussi bien des astronomes que des géologues, que des gens qui s'occupent de planétologie, que des chimistes, que des biologistes, et qui cherche à répondre à la question: existe-t-il de la vie en dehors de la Terre, sur les planètes, autour des autres étoiles? Donc aujourd'hui, on cherche toujours cette vie extraterrestre, on ne l'a pas trouvée. On la cherche dans le système solaire, depuis des années on la cherche sur Mars en particulier. Et un des volets du travail qu'on fait ici à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est d'étudier la Terre comme un modèle de planète extrasolaire de type terrestre, justement. Et on sait aujourd'hui que la végétation terrestre laisse dans la signature spectrale de la Terre une signature bien caractéristique de la végétation. On a suggéré avec des collègues parisiens que si un jour sur une exoplanète on voyait cette signature spectrale dans le spectre d'une exoterre, eh bien on pourrait suggérer... mettre sur la place publique, ouvrir le débat de est-ce que cette signature spectrale est la signature d'une végétation extraterrestre qui serait semblable à la nôtre. La présence d'extraterrestres aux confins de l'univers étonnera certains. Pourtant, de nombreux pilotes de ligne vous diront qu'ils sont déjà parmi nous. Le document que vous allez voir et la reconstitution par Nippon TV de ce qui s'est passé à bord d'un Boeing 747 de la Japan Airlines, poursuivi par un OVNI au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. Selon le capitaine Terahoshi, la poursuite a duré 50 minutes sur le vol Paris-Tokyo. Vers 17h10, le pilote aperçoit soudain une lumière orange. Le fait est confirmé par la tour de contrôle d'Anchorage.
Puis, deux lumières, puis plusieurs, se rapprochent de l'appareil. À l'intérieur, les trois hommes d'équipage ressentent une forte chaleur. Vingt minutes après, deux lumières blanches apparaissent, tandis que le radar de bord indique la proximité d'un énorme objet. Il se met à suivre l'avion vers la ville de Fairbanks. Grâce aux lumières de la ville, l'équipage médusé voit apparaître un engin 30 à 40 fois plus gros que le 747. La tour de contrôle propose au pilote de faire intervenir un bombardier. Non, répond-il. Vu la proximité de l'OVNI, ce serait trop dangereux. Par contre, un Boeing de United Airlines doit croiser le cap du 747 japonais. Vers 18h, lorsque celui-ci s'approchera du premier appareil, la sphère immense disparaîtra. De ce vaste champ d'investigation, terre creuse, crop circle, mutilation animale, mythe de Thulé, de l'hyperborée, de Shambhala, univers multidimensionnel, engin du futur, entité vivante, voire divine, on pourrait s'y perdre. Il ne reste pas moins que les hommes les plus influents de la planète ont au cours de leur vie évoqué la présence des ovnis. Mikhail Gorbatchev, le phénomène ovni existe et il faut s'en occuper sérieusement. Vice-amiral Roscoe Ilon-Coeter, ancien directeur de la CIA, ces objets inconnus sont sous contrôle intelligent. Werner von Braun, nous nous trouvons face à des puissances qui sont beaucoup plus fortes que ce que nous avions jusqu'ici estimé et dont la base est en ce moment inconnue de nous. Kennedy, Gordon Cooper, Barry Goldwater, le général Nathan Twining étaient ou sont persuadés de leur existence. Voici la dernière déclaration de l'astronaute américain Edgar Mitchell. Le Pentagone a toujours caché la vérité sur les ovnis, et en particulier sur la découverte à Roswell d'un vaisseau et de ses occupants d'origine extraterrestre. Selon Sheldrake, derrière la structure de l'univers et la configuration des formes se cacherait un modèle dynamique plutôt que statique. Le monde serait une entité continue, ce qui en affecte une partie en affecterait une autre. L'univers serait en fait confronté à une interdépendance permanente de ses innombrables dimensions. Le phénomène OVNI en serait peut-être la synthèse et le lien. L'OVNI de demain aura sans doute un autre visage que celui qu'il nous présente aujourd'hui. Du monolithe initiatique de 2001 à la merveilleuse soucoupe d'Adamski, on aspire toujours à la même transcendance. Lorsque nous serons prêts, lorsque l'homme aura assimilé son message, l'OVNI prendra certainement sa forme définitive. Entre-temps, le voyage ne fait que commencer. Ah oui, la surprise. Mon nom est Walter Holt. Mon nom est Walter Holt. En juillet 1947, j'étais en poste à la base aérienne militaire de Roswell comme officier de relations publiques. Je venais de passer le week-end du 4 juillet à ma résidence privée à environ 10 miles au nord de la base située au sud de la ville. J'ai appris au milieu de la matinée de mon retour au service le lundi 7 juillet que quelqu'un avait fait état de restes d'un engin qui s'était écrasé. J'ai été informé que le major Jesse Marcel, chef du renseignement, avait été envoyé par le commandant de la base, le colonel William Blanchard, pour enquêter.
avant de quitter la base, le colonel Blanchard m'a emmené personnellement au bâtiment 84, connu sous le nom du hangar P3. En approchant du bâtiment, j'ai observé qu'il était étroitement gardé, aussi bien au dehors qu'à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, j'ai été autorisé à observer pour la première fois les objets récupérés juste au nord de la ville. Cela faisait environ 12 à 15 pieds de longueur et environ 6 pieds de haut, et l'ensemble faisait penser à un œuf. L'éclairage était faible, mais sa surface m'a semblé métallique. J'ai pu voir deux corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche et je ne pouvais rien voir du reste des corps. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans. Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte de vaisseau avec son équipage venu de l'espace. Je n'ai pas été payé ni reçu quoi que ce soit de valeur pour faire cette déclaration, et c'est la vérité selon mes souvenirs. Mais c'est quand que vous débarquez ?